l'obsession, la répétition, le doute et la recherche. C'est notre socle commun entre chercheurs et musiciens. Et c'est ces quatre termes d'ailleurs qui ont guidé la composition du morceau Obsession et Répétition. Brest est mon point de départ, celui de ma rencontre avec François Joncourt, musicien, compositeur et interprète. L'artiste a répondu à l'appel de détresse écologique lancé par les scientifiques pour qu'il relaie le message de l'urgence climatique. À son contact, les chiffres deviennent émotion. On écoute peut-être. Les études. Des sensations et les sons enregistrés sous la surface de l'eau, les battements de cœur de nos océans en sursis. On va pouvoir faire un petit tri. Il m'a donné rendez-vous à la Carène, la salle des musiques actuelles de Brest, le lieu de résidence du projet Sonar, Arts et Sciences. Ouais, c'est celui-là. Spontané, je ne savais plus ce que j'avais fait. Ouais, bah ça, je pense que ça serait intéressant de le faire comme si c'était une boucle. Oui. Hello. Salut. Enchantée, je ne me suis pas trompée de salle. Non, c'est bien là, ici. C'est bien là. Ça va, François? Ouais, c'est moi. Enchantée, Marine. De même, enchantée. Bonjour. Bonjour. Et Pauline. Et Pauline, enchantée, ravie. Je peux me joindre délicatement à vous, je me pose ici. Oui, bien sûr. Vas-y, mets-toi sur la chaise. Ouais. Alors là, vous étiez en train de faire quoi, à peu près? Ben là, en fait, on est en train de poser la voix de Pauline sur des chansons que j'ai composées là dernièrement. D'accord, sur tes dernières compositions. C'est les dernières compositions, ouais, qui sont en lien avec la mission polaire à laquelle j'ai participé en septembre dernier. D'accord. Donc voilà, c'est des chansons qui vont s'intégrer à des podcasts qui relateront cette mission scientifique. J'ai enregistré les chercheurs quand j'étais au Pôle Nord avec eux, là, enfin en Arctique. Et j'ai eu petit à petit l'idée de mélanger cette matière documentaire, ces interviews, avec des créations sonores, ouais, et in fine des chansons. Et la voix de Pauline dans tout ça, elle est arrivée un peu pour sublimer tous ces propos? C'est le bon mot. On vient de commencer et je trouve, j'arrête pas de lui dire, je trouve que ça sublime. C'est vrai? Ça sublime les compos, je suis absolument ravi. Ouais. Bah, je vais juste vous laisser continuer, alors j'ai hâte d'écouter. Ok. Sous l'eau, des milliers de fois. En fait, les chansons sont. Les textes des chansons sont toujours en relation avec l'épisode qui relate cette mission scientifique. Donc il y a un tissage entre ce qui est raconté dans l'épisode et dans la chanson. Et là, en l'occurrence, c'est sur un épisode lié à une plongée de Laurent Chauveau. Lui, quand il rentrait de mission, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait. Il rentrait chez lui, sa fille lui disait « C'était comment l'Arctique ?» Alors on s'attend à un long récit, et il disait « Il fait froid ». Il y avait une forme d'empêchement liée à une émotion difficilement exprimable. Puis quand ils se sont lancés dans l'acoustique passive, c'est-à-dire mettre des micros sous l'eau, ils ont décidé de travailler avec des musiciens. C'est à ce moment-là que j'ai embarqué dans l'aventure. Les océans murmurent à l'oreille de Laurent Chauveau, écologue et plongeur scientifique au CNRS. Il a été le premier à mettre sur écoute la coquille Saint-Jacques. Il en a décrypté le langage. L'animal lui raconte l'ampleur de la catastrophe climatique enclenchée. Des fonds de la rade de Brest
jusqu'à ceux de l'Arctique. On roule à 200 km/h, le mur est à 1 mètre, on va prendre le mur en pleine face. L'Arctique est en train de fondre, ces écosystèmes côtiers polaires, arctiques, hein, subissent actuellement une métamorphose et vont continuer cette métamorphose dans les décennies qui arrivent. Si la Saint-Jacques est un livre, les stries de sa coquille en sont les pages. Qualité de l'eau, température, acidité et pollution, Laurent a découvert que son squelette calcaire enregistrait quotidiennement les stigmates des activités humaines sur nos écosystèmes. Malgré l'ampleur du phénomène, la situation n'a cessé de se détériorer. Je crois que la communauté scientifique, depuis les années 70, annonce le changement climatique. On est en 2023. Ouais, il nous a fallu 50 ans pour que le GIEC réussisse à persuader, contre quelques lobbies ou quelques indifférences, nos décideurs et notre population, qu'on avait à faire front à un problème planétaire qui était une première. Malgré tout, on utilise tous encore notre voiture. On a toujours une consommation de pétrole d'énergie fossile assez délirante. Et une des motivations de ce mariage art et science, c'est de finir par admettre que les scientifiques s'expriment mal ou ne sont pas assez percutants ou pas assez explicites. Hein, et confions les résultats scientifiques ou confions finalement l'avenir de notre environnement ou l'explication de l'avenir de notre environnement à des artistes pour intéresser, ce sera déjà énorme, intéresser nos contemporains à l'avenir de cette planète. On dirait un râteau. C'est vrai. Ça me fait penser à ça tout de suite. C'est assez juste parce qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est une coquille Saint-Jacques qui se déplace. Et quand elle se déplace, elle déplace effectivement du sable. Ça, c'est le son que je récolte avec les chercheurs, très brut, quoi. Et après, j'aime bien les insérer dans un morceau, mais de manière qui ne soit pas trop apparente. Enfin, ça dépend. Parfois, j'aime bien le laisser très brut. Et d'autres fois, j'aime bien qu'il se mêle complètement à la matière sonore existante. Et comment tu t'es familiarisé avec cet univers scientifique ? Quand je les ai rencontrés, on était à une table comme ça, j'étais avec mon micro et je les ai assommés de questions. Jusqu'à leur poser des questions plus personnelles, qui visaient, pour moi, à faire émerger une personnalité. Donc je leur ai posé des questions sur leur goût esthétique, sur leur peur, sur leur joie, sur leurs craintes. Et des François questions. Joncourt, le psychologue des chercheurs du CNRS. Non, quand même pas. Je ne me serais pas permis, ça dépasse mes compétences. On continue un peu d'écouter. C'est un Bernard l'ermite. Et non, là en fait... Donc là, sur ce morceau-là, en l'occurrence, ce qu'on entend au tout début, c'est quelqu'un qui marche au bord de mer. D'accord. Parce que c'est le portrait d'un chercheur qui s'appelle Jacques Gral et qui travaille essentiellement sur l'estran. Là, c'est en l'occurrence, c'est moi qui ai enregistré les sons. Et c'est le départ de ce morceau-là. J'avais envie de le faire commencer là où toutes ces recherches se déroulent. Est-ce que tu penses que tu comprends davantage ce territoire parce que tu as participé à des expéditions, tu es parti avec les scientifiques, tu t'es parti loin et donc en revenant ici, tu comprends peut-être davantage cette terre qui est un peu déchiquetée, ce bout du monde. Ce qui est certain, c'est que je me suis rapproché de ce territoire émotionnellement, quoi. Parce qu'il est à l'origine de pas mal des morceaux que j'ai pu créer. Et tu m'emmènes où, là ? Parce que là, il pleut, c'est sympa, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va aller au,
au laboratoire BeBest, qui est donc un laboratoire du CNRS, affilié au CNRS, où on va retrouver l'équipe de Laurent Chauveau, qui est le directeur de ce laboratoire. Et ils nous attendent pour faire écouter tout un certain nombre de sons qui ont été capturés par un hydrophone en Arctique. On a tout d'abord l'approche du bateau avec la signature qui est très basse fréquence, qu'on voit sur la totalité de l'enregistrement. Et ensuite, le passage du bateau proche qui dure seulement quelques minutes. Donc un bateau qui est passé assez vite au-dessus de l'hydrophone. Et là, tu as la date, tu as tout. Quoi. Tu peux augmenter le son ? Oui. Donc là, on est 4 juillet 2022. Ouais. Okay. Mais celui-là, je crois que c'est le phoque de Weddell, celui-là. C'est le barbu. Le barbu. Ouais. Donc, c'est ce sifflement très long, avec toujours derrière le bruit d'écoulement d'eau et de glace. La petite flûte qu'on entend en fond. Le sifflement, tu l'appelles la flûte. On est en train d'essayer de voir si on a le même nombre de vocalisations de phoques barbus quand il y a présence d'un bateau ou non. Ok. Voilà. Pour in fine déterminer s'il y a une nuisance dans leur... Un masquage. Ouais. Soit un masquage, c'est-à-dire... Un masquage dans leur communication. Voilà, quoi. Okay. Exactement. Et toi, Delphine, comment tu décris son travail à lui ? Quand tu vois ce qu'il fait, est-ce que vous êtes reliés par la même émotion, la même envie de faire passer le même message peut-être, mais de manière différente ? Alors François me permet d'expliquer de façon moins scientifique nos données et prendre du recul et d'apprécier aussi notre travail. C'est-à-dire au lieu d'avoir un dialogue très scientifique sur l'interprétation des données, on recule un petit peu devant l'analyse de nos graphiques et on essaye de trouver des mots qui sont plus appropriés. Okay. Donc, il y a des sons de glace aussi ? Et il y a des sons de glace. Okay. Alors, sons de glace en premier ? Si on se met dans l'ordre. Alors tu vas voir, ça va être des sons de glace mêlés à de l'écoulement d'eau. Oui. Enfin, on rigole d'un sujet qui est complexe quand même. Mais c'est le paradoxe permanent quoi, qui traverse toute cette aventure sonore. Quoi. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt pris entre deux émotions assez contradictoires, quoi, qui sont liées, comme tu disais, à ce qui, la catastrophe en cours et le plaisir esthétique qu'on peut avoir à travailler avec les matières de cette catastrophe. Quoi. On est quand même bien tiraillé en permanence. Mais je pense que c'est le cas des chercheurs. Oui, il y a une petite notion de culpabilité même quand on est sur le terrain en fait. Ces endroits assez incroyables, c'est beau, hein. Ouais. C'est beau et on se demande si on doit s'émerveiller ou pas. Quand arrêterons-nous de dégrader nos écosystèmes ?
Comment peut-on continuer de danser sur le volcan d'une planète en surchauffe? Est-il seulement possible d'inverser la tendance? François et les scientifiques nous font entendre le chant du monde. Le projet Sonar invoque le sursaut. Il nous donne à voir la beauté de la catastrophe, comme dans ce titre coécrit avec l'artiste Miossec. S'en est allé, ne laissant que des traces de tout ce qui était, des coquilles, des carcasses. Plus que des gouttes, des larmes, des rochers, de la houle, des galets, ce qui devait rester. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Viens, tu t'installes ici, on est pas mal. Je me suis dit que c'était nickel comme petit point de vue là. Tu vois. C'est parfait là, on voit cette lumière qui est en train de percer tout doucement les nuages. Et oui, et tu vois, ce bateau qui part là, c'est Erwan Amis qui part en mer et il alterne des missions, des plongées ici, en rade de Brest, et au Spitzberg, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Antarctique avec moi. C'est ces allers-retours là qui nous fascine. Comment on fait aujourd'hui quand on constate autant de désastres, quand on constate que cette nature, elle est à l'agonie et ça fait des centaines d'années qu'on nous le dit et qu'il n'y a pas de changement? Comment tu te couches le soir? C'est effectivement désarmant, c'est démoralisant, mais il n'empêche que ces missions polaires et ces instants, comme le décrit Jean-Claude Amezen, le moment où on monte sur les épaules de Darwin, où on va voir un tout petit peu plus loin, ces moments de découverte qui ressemblent à de la découverte de nouveaux paysages. Hein. La science est finalement une activité qui induit des jubilations de la découverte. Ça me sauve. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'espoir à donner dans l'éducation? Je ne sais pas si nos décideurs se sont rendus compte à quel point la génération de ceux qui ont 20 ans, entre 10 et 20 ans là, n'accepte plus nos modes de fonctionnement et la société qu'on leur propose. C'est même une difficulté du recrutement de nos jeunes chercheurs. Hein. Une partie de ces jeunes refusent de rentrer dans un système une fois qu'ils ont accumulé assez d'informations sur l'état de santé de notre planète. Hein. Il faut mettre le paquet sur deux grands ensembles, effectivement cette jeunesse, et continuer à développer des savoir-faire et inventer de nouvelles méthodes pour intéresser et éduquer, ça c'est sûr, des enfants ou des jeunes, très bien. Il y a une urgence absolue, hein, et le GIEC fait ça très bien, le dit très bien. Dans l'urgence, il sera trop tard si les enfants de 5 ans prennent des décisions quand ils auront 25. Dans 20 ans, il sera trop tard. Hein. Il faut parler, ouais, à un parlement, il faut parler à des préfets, il faut parler à des gens qui décident, ouais, et qui n'ont pas 5 ans. Hein. J'entends vos rires. T'entends bien? 3, 2, 1, hop! Il y a probablement une déconnexion qui s'est opérée à un moment entre l'homme et son environnement, et j'ai l'impression qu'il y a un frémissement actuellement de reconnexion. En tout cas, je le constate de manière très très net dans toutes les écoles et dans toutes les classes où j'interviens. Normalement, tu vas bien les entendre. Tu les entends? Vas-y, viens là. Je leur demande de choisir les sons qui, dans leur environnement direct, leur plaît. Et donc là, en l'occurrence, on avait fait des groupes et chaque groupe a choisi 5 sons. Super. T'entendais bien? Ouais. Donc ils ont construit une histoire autour de ça. Donc c'est une classe de grande section CP. Donc les grandes sections n'ont pas encore la lecture.
Les CP, par contre, sont vraiment rentrés dans la lecture, mais commencent à écrire. Donc pour eux, ça a été vraiment un beau travail d'écriture. Et c'est, ça rentre vraiment, pour le troisième trimestre du CP, c'est vraiment un très beau projet, quoi. Une vache qui voulait faire un petit tour à la ville. Une vache qui voulait faire un petit tour à la ville. Elle vole la voiture du fermier. Elle vole la voiture du fermier. Tranquille, tranquille, parce que bien, bien. Elle arrive à Paris, mais il y a trop de monde. On va le refaire. Ouais. Oui, Aden. Oui. Je me rends compte qu'il y a vraiment une puissance émotionnelle qui est liée au son. Et que moi-même, je retrouve en tant que musicien. C'est-à-dire que je vois dans leur regard ou même dans leur expression verbale qu'il y a quelque chose qui les touche beaucoup sur le plan émotionnel. Comme moi, ça a pu être le cas quand les chercheurs me faisaient écouter les sons qu'ils avaient capturés. Alors on réécoute sans après. Sans arrêter. Sans arrêter. Voilà votre histoire. Vous êtes prêts ? Oui. Un oiseau perdu dans la forêt enchantée. Il rencontre un lapin. Et un chat perdu aussi. L'oiseau le propose de s'envoler pour retrouver leur maison. Savoir écouter le souffle de son propre environnement. S'y ancrer pour mieux le connaître et le protéger, c'est aussi la force du projet Sonar. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous sur ce chemin-là ? Ce chemin, c'est celui que je prends quand je me trouve dans une impasse créative. Il me permet à chaque fois, quasiment, de dénouer des situations esthétiques qui ne me plaisent pas. Donc je suis dans ma tête à 300%, mais je me reconnecte quand même avec l'environnement. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, le projet Sonar ? Ça a changé beaucoup de choses, hein. Ça a changé beaucoup de choses parce que d'une part ça a changé ma vie de musicien, j'avais jamais travaillé avec des chercheurs. Et puis ça a changé mon rapport à l'environnement, quoi. Très clairement, je le regarde d'une autre façon. Quand je regarde les lornes, évidemment, je n'ai pas le même regard qu'avant parce que j'imagine ce qui se trame là-dessous. Et je me posais une question, la musique Peeling Underwater, tu as mis la musique que tu as composée sous l'eau. Et je te cache pas qu'au début, je trouvais ça un peu étonnant. C'est-à-dire que tu faisais écouter à tous les mammifères marins ou à ce qu'il y avait sous la mer, ta propre musique. Dire quoi? Je me le serais pas permis. C'est Laurent qui a fait ça. Ah d'accord, ok. En fait, c'est des enceintes avec lesquelles ils font des tests et d'habitude, ils envoient des sons de bateaux. D'accord. Et là, c'était un petit clin d'œil à ton travail. À mon travail, ouais. D'entendre cette musique que j'avais composée dans ma chambre, hein, en quelque sorte, l'entendre dans un décor aussi fabuleux, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette génération qui arrive et qui est peut-être remplie d'inquiétudes et d'incertitudes ? Je pense que l'anxiété, elle peut être tétanisante et elle peut figer les actions potentielles. Et ce que j'ai envie de montrer, moi, c'est plutôt la beauté environnante. J'ai l'impression que quand on regarde les choses en apercevant la beauté, ça donne envie d'agir. Sonar est une bouteille à la mer. Artistes et scientifiques y ont placé la sublime partition de nos océans. Il nous faut la jouer maintenant pour que la symphonie continue.